Ce qu'on fait ici, c'est mesurer le trait racinaire. Ça veut dire la longueur, le diamètre, la longueur totale, la surface des racines qu'on a dans un échantillon qu'on a prélevé au terrain. Elle est en train d'étaler bien les racines pour séparer bien les différentes branches pour qu'ils soient bien pris par le scanner. Et après, on le passe à une feuille transparente et on le met là au scanner pour prendre l'image. Ici, on prend la feuille, on le met dans le scanner et on scanne une image avec un logiciel ou un réseau. Et ça donne une image comme ça de racines. Et après, on fait une analyse. Il nous donne la longueur, la surface. On peut voir ici les différentes classes de diamètre avec la longueur de chaque racine par classe de diamètre. Donc, ici, on peut voir que chaque couleur, ça correspond à une classe de diamètre. Il y a de différentes couleurs qui correspondent à différentes classes de diamètre. Et après, le programme, il prend toute la longueur de chaque racine, de chaque classe de diamètre. Et c'est ça qu'on voit à notre tour. Par exemple, ces branches-là en orange, il mesure tous, il te donne une longueur totale par classe de diamètre.